Aujourd'hui, c'est 100 joueurs qui vont s'affronter sur la nouvelle saison de Fortnite au château de Dr. Fatalist. Qui sera le dernier abonné encore en vie? Restez bien jusqu'au bout de la vidéo pour le savoir. Comme toujours les gars, le gagnant remportera des V-Bucks totalement gratuitement. Moi, en tout cas, je vais tryhard pour essayer de réussir à faire l'autopin dans cette partie. J'espère bien sûr que vous allez passer un très bon moment en visionnant cette vidéo en ma compagnie. Ça va vraiment être le carnage. Regardez-moi ça, 100 joueurs qui atterrissent au même endroit. Oh là là, je sais pas comment on va faire. En tout cas, la première chose à faire les gars, c'est de récupérer une arme le plus rapidement possible. Ok, nice, ça c'est fait. J'ai un accessoire d'Iron Man, ça c'est plutôt sympathique. Il y a un ennemi juste ici qui va être mon premier kill. Mais frère, ça bug tellement. Frère, ça bug trop. Il y a tellement de gens dans la zone, ça bug beaucoup trop, frérot. Oh, je suis en stress. Attends, laisse-moi recharger tranquillement mon arme. Ok, il y a un ennemi là. Ok, let's go. Petit kill en plus. Calme, calme, calme. Il y a un mec avec un fusil à pompe juste en dessous. Ok, nice. Tué. Wesh. Mais c'est quoi ce début de partie? Oh, il a un jetpack. Vas-y, je vais récupérer son jetpack, les gars. Comme ça, on est plutôt bien. Ça, ça fait plaisir. Par contre, il me faudrait absolument, les gars, des potions. Hein. Parce que si j'arrive pas à obtenir des potions, je sais pas comment je vais faire à la suite de cette partie. Et franchement, je suis en stress. Attends, on va recharger nos armes, les gars. Là, en vrai, on a 3 petits kills. Et je sais qu'il y a un maximum de personnes dans cette game. Donc là, on va faire vraiment attention au maximum au niveau des munitions. Je suis pas très bien. Là, il y a un mec. Let's go, kill validé. On va récupérer son fusil à pompe. Il avait un très bon fusil à pompe, ça, ça fait plaisir. J'ai toujours pas de potion là. Ah, let's go, là on a des potions. C'est pas ce que je voulais, mais c'est déjà mieux que rien. Ok les gars, j'entends un ennemi. Il est là. Ok, nice. Mais en fait la tourelle elle carry de fou. Trop stylé ça. 5 kills validés pour le moment. Il reste encore 50 personnes dans la ville les gars. Tu sais quoi, je pense que je vais prendre de la hauteur et je vais aller me diriger vers là où j'entends que ça est en train de se fight. Genre juste en dessous de moi les gars, juste ici. Wesh, il fait quoi là? Non mais c'est une dinguerie lui. Attends, attends, attends. Wesh. Ah ouais d'accord. Oh, il faut absolument que j'arrive à trouver du soin les gars. Si j'arrive pas à trouver du soin là je suis mal barré. En tout cas j'ai réussi à mettre pas mal de dégâts, ça c'est plutôt sympathique. Mais c'est toujours pas fini. Hein. Là il y a un ennemi. Wesh. 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 Il joue à cache-cache. C'est quoi ce malade? Il joue à cache-cache. Je suis mort frérot. Oh non le pauvre, on a réussi à le buter. J'ai pas énormément de construction donc il faudrait que j'arrive à amasser des constructions pas mal. Attends faut faire gaffe là parce que frérot il y a un ennemi. J'ai pas envie de me faire buter par cet ennemi frérot. On est toujours au château de Fatalis. Malheureusement la zone, on n'a pas la zone. Ça c'est très malheureux. Donc on va pas rester ici très longtemps. Ok les gars regardez, il y a des potions juste là. Des potions je vais me les prendre. Je sais qu'il y a un mec juste au-dessus. Donc on va faire gaffe. Wesh. Ah ouais d'accord. Ah ouais il m'a laser de fou frère. Il m'a laser de fou. Là je suis très très mal. En plus de ça les gars, regardez il y a la tempête. Oh non, je suis obligé d'avancer dans la zone. Sauf que là la tempête elle me fait grave mal là. J'espère que il faut que j'arrive absolument à trouver un kit de soin, sinon je suis mortadelle. Oh là là là, je suis one shot frère. J'espère que personne ne va me buter. Oh non là il y a un ennemi. Ok il est blanc. Allez let's go. Let's go, il a un kit de soin. C'est parfait les gars. On va prendre son kit de soin comme ça. On est back à 100 HP. Mais je sais pas pourquoi les gars, les potions c'est méga rare. Ok, franchement c'est dommage qu'on peut pas être dans la zone du château de Fatalist. On a vite quitté mais c'est pas grave les gars. Le principal pour ma part c'est de réussir à faire le top 1. Donc je vais tryhard à la mort pour réussir ce challenge les gars. Restez bien jusqu'au bout de la partie. De toute façon on va lancer 2 games aujourd'hui dans cette vidéo. Oh, il y a War Machine juste ici. Qu'est-ce que tu peux nous donner? Des potions! Let's go. On a une potion 50. Ça, c'est déjà bien. C'est magnifique. On a du shield juste ici. Là, on va pouvoir se mettre à 200 HP. Et je vais être beaucoup plus à l'aise. On va pas se mentir. Je pense, les gars, le problème, ce qui se passe, c'est quand t'as 100 joueurs qui spawnent dans une seule ville. Malgré le fait que le château, c'est vraiment une énorme ville. Un peu comme Tilted Tower. T'as pas assez de stuff pour tout le monde. Ça veut dire que des fois, il y a des gens. Bah, du coup, ils se retrouvent sans armes. Parce qu'ils ont mal géré leur spawn. Et du coup, si tu gères mal ton spawn dans ce genre de vidéo, franchement, t'es vraiment mal barré pour la suite. Ok les gars il y a un ennemi juste là. Ok j'ai réussi à rentrer dans son véhicule. Attends mais ok. Ok vas-y c'est parti pour le fight. Ok touché. Il m'a quand même mis une grosse balle lui aussi. On la craque. Ok nice on l'a buté. Hey il m'a mis quand même pas mal de dégâts hein. Franchement il a géré mais j'ai mieux géré que lui. Ça ça fait plaisir. Regardez moi cette stratégie qui me permet de me déplacer méga rapidement. C'est la stratégie carrément des jetpacks. Ok toi ça dégage, j'avais un mec je l'entendais. Il était juste en dessous. Tu vois lui il avait pas d'arme à mon avis. Donc c'est vraiment le type de personne qui a mal géré son spawn. Et du coup qui se trouve bête à la fin. Parce qu'il sait pas se défendre. Parce qu'on a vu il y avait un mec, il avait un skin camouflage. Et il essaye de se camoufler dans un arbre. Franchement lui il a tenté d'utiliser la stratégie cache-cache. Mais ça n'a pas fonctionné malheureusement. Ok les gars regardez il y a un ennemi. Il est juste là. Ok il est crack. Ça c'est déjà
une bonne chose à savoir. Et il est mortadelle. Vas-y, donne-moi tes constructions. Comme ça, on a un maximum de constructions pour la suite. Ok, je sais qu'il y a un autre ennemi juste à côté. Donc on va essayer de faire gaffe. Il est à la hauteur sur le bâtiment. C'est quoi, je vais pas tenter le diable, les gars. Je pense que je vais carrément aller dans la prochaine zone directement. Nous, on save le top 1. Si j'arrive à faire un top 1 dès cette première game, franchement, ça ferait vraiment énormément plaisir. Et ça me permettrait d'économiser des V-Bucks, les amis. Parce que pour ceux qui ne savent pas, à chaque fois, j'offre des V-Bucks dans toutes mes vidéos que je fais avec mes abonnés. Et si toi aussi, t'as envie de participer à des vidéos comme celle-ci pour tenter ta chance de gagner des V-Bucks totalement gratuitement, rejoins mon Discord qui est en première ligne de description. C'est là-bas qu'on réalise toutes tes vidéos sur la chaîne YouTube. Ok les gars, regardez, il y a quelqu'un dans un véhicule juste là. On va essayer de l'écraser, attention. Non. Je suis passé si proche de l'écraser. Oh non, le pauvre, il était vraiment du père de fou. Et du coup, je l'ai éliminé. Oh non, je m'en veux. Bah frérot, c'est comme ça mon ref. Tu retournes au lobby. Il y aura une seconde tentative juste après dans la seconde game. En vrai les gars, pour notre première game, je trouve qu'on s'en sort plutôt pas mal. On a 11 kills. En vrai, moi je trouve ça pas mal. Oh, attends, il y a un ennemi juste là frérot. Si tu peux venir. Attends, le mec a un médaillon. Le mec a un médaillon, faut absolument que je bute. Il a le meilleur médaillon du jeu les gars. Faut absolument que je le traque jusqu'à la mort. Regardez ça, en plus, il a peur de moi, il est en train de me fuir. C'est dinguerie. Ok, le mec il est là. Ok, nice. Wesh, le problème c'est qu'il y a deux ennemis ça. Ok, touché. Wesh. Ok, il y a un mec qui a un jetpack aussi. Faut que je fasse attention. Oh, ça me stresse. Ok, tranquille. Oh non. Ok, touché. Oh non, 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 ils sont deux frère. Ok, nice. J'ai buté le bon mec. Il y a l'autre gars. Vas-y, vite, récupère le médaillon. Ok. Il faut que je me barre, les gars. J'ai récupéré le médaillon. Malheureusement, j'ai pas pu récupérer son arme mythique. J'ai trop le seum. Mais au moins, les gars, on a le médaillon. En vrai, je préfère récupérer le médaillon plutôt que l'arme mythique. Mais c'était chaud, frérot, parce qu'on était trois au même endroit. Je pense que j'ai bien fait de faire ce que j'ai fait. Là, ce qu'on va faire, on va se barrer bien loin. Le problème, c'est qu'il y a carrément un mec avec un autre médaillon dans la zone, ici quelque part. Donc, je vais pas faire le fou. Moi, ce que je veux, c'est sauver ma peau, les gars. Trouver de quoi me mettre bien au niveau des soins. Genre, regardez là, on a un petit kit de soins. Bien sûr, je me le mets. Et je suis passé proche de la mort. Ah, ça me stresse de fou. En tout cas, j'espère bien sûr que vous passez un très bon moment en visionnant cette vidéo en ma compagnie. Les gars, vous savez bien que c'est tout but. Si t'es toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, sache qu'on arrive proche des 5 millions d'abonnés. C'est juste une dinguerie phénoménale. Il y a un ennemi là-bas. Ok. Je sais pas ce qu'il est en train de faire. Non! Non! Il veut se barrer! Il est en train de se barrer avec sa voiture. Oh, j'ai trop le seum, frère. J'avais mis des dégâts. Et là, il est en train de lâchement partir. Ça, c'est grave dommage, frérot. Parce que j'aurais pu grave le buter. On va essayer de le rattraper. Non, non, il va trop vite. Il va trop vite. C'est ça le problème, frérot. Ah, oh, je suis passé proche de le buter, mais c'est pas grave. J'aurai l'occasion juste après de t'éliminer, frérot. T'inquiète même pas. Oh! Les gars, regardez. Ça, c'est le pouvoir du médaillon, frérot. Le pouvoir du médaillon, c'est trop cheaté. Touché. Non, j'avais pas rechargé mon arme. Oh, j'abuse, j'avais pas rechargé mon arme, frère. Ah, il y a un mec, il est sur le ville volante, il est en train de camper. Ah non, j'ai trop le seum. Là, j'ai plus de potions, donc là, c'est assez problématique. Il faudrait que j'arrive à buter un mec qui a un bon stuff, histoire de me remettre bien, parce que là, le fait que le mec ait réussi à se barrer, bah, ça me perturbe un peu, et je vais pas te mentir, je suis pas très content. Oh, les gars, regardez, là, il y a un coffre. Normalement, ce coffre, il va nous donner du shield, j'espère bien. Par contre, j'espère que c'est pas un coffre. Ah ouais! Il est en train de m'attaquer. Non, non, non. Ah ouais, c'est un coffre qui est protégé par des gardes. Du coup, faut éviter à tout prix de se faire buter par ce genre de personnes. Ah, ok, ici on a du shit. Let's go, ça c'est cool. Ok, on vient tout juste de rentrer dans le top 10 de cette partie, les gars. Top 10, 12 kills. En vrai, on est proche. On est très très proche de faire le top 1, mais c'est pas terminé. Oh, juste ici, les gars, regardez, il y a une voiture à l'intérieur d'un bunker. Je serais pas étonné d'apprendre qu'il y ait un ennemi quelque part ici dans le bunker. Ah, ben voilà, les gars, c'était sûr. C'était sûr qu'il allait avoir un mec. Il s'est caché à l'intérieur. Non, mais. Gros, pourquoi t'as mis du métal comme ça? Il y a la tempête qui arrive, mais là, t'as fait la pire erreur de ta vie. Vas-y, je vais même mettre une voiture comme ça, il pourra pas passer. Et moi, je vais même rajouter, hop, ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça. Les gars, on va carrément le bloquer. Attends, on continue. Ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça. Et là, il va bien mourir de la tempête. Oh non, le pauvre. Non, franchement, je m'en veux trop, là. C'est horrible ce que je suis en train de lui faire faire, là. C'est la pire des tortures. Non mais c'est une blague. Non mais tu trolls, frère, j'ai fait tout ça pour rien. Le mec, une grenade répulsive, il a tout pété. Je vais péter un câble. Ok, le mec est en train de se barrer carrément. Non, 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 j'ai trop le démon. J'ai trop le démon pour ce qu'il vient de faire. Bah, bien joué à toi, frérot, mais j'ai trop le démon quand même. Je connais mes abonnés, en général, quand on rentre dans le top 10, il y a tout le monde qui tryhard, les gars. Donc je vais pas faire le fou, je vais tryharder comme eux, hein. Ok, touché. Enfin, je me fais tirer par derrière. Ok, lui, on l'a mis quelques balles. Ça fait plaisir. Attends, il y a un autre mec qui fait le malin juste là. Mais à quoi tu joues, toi? Ok, toi, mon ref.
Je vais te tryhard. Ok, on la craque, les gars. On continue de lui mettre la pression. Ça, c'est important. Je vais construire pour que personne ne me tire dessus. Alors, frérot, s'il te plaît. Oh non, il a du splash. Bon, frérot, va falloir avancer. Parce que là, depuis tout à l'heure, tu ne m'aides pas. Ok, nice. Vas-y, on récupère les constructions. On va vite en zone. Wesh! Ok, il y a du monde ici dans la zone. Oh là 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 là. Ok, vas-y, tranquille. Le mec m'a mis une petite balle, mais c'est pas bien grave. Par contre, ouais, j'aimerais bien avoir un kit de soins parce que la zone m'a mis quelques dégâts comme je suis resté un tout petit peu dans la zone. Oh, regardez-moi ça, ce cheat, frérot. Je peux voir carrément la position de tout le monde. Donc là, je sais qu'il y a un mec en dessous du cône. Je vais essayer de lui mettre la pression. Vas-y, tu sais quoi? Faut que j'aille en zone. Donc on va aller en zone, les gars. Non! Il est sérieux, lui! Avec sa voiture, il m'a propulsé, frère. Gros! Mais arrête de faire ça! Wesh, le mec, il reste dans sa caisse. Ok, touché, crack. Ok. Ah, vas-y, je prends des dégâts de zone bêtement. Il y a un mec à la hauteur juste ici. Ok, nice, il est crack. Là, faut pas que je perde mon temps pour le rusher, frérot. Il faut que je le rush le plus rapidement possible. Wesh, il s'est joué, hein. Non! Non, non, il va pas me buter, je te le dis. Wesh! Ok, je l'ai buté. Wouah, j'ai un HP. Wouah, il reste 3 personnes à éliminer, les gars. 3 personnes. On est si proche du but. Là, j'essaye de me mettre mon shield le plus rapidement possible. Mais c'est vrai que là. C'est très chaud ce qui est en train de se passer. Let's go le kill. Oh vas-y, vas-y, il faut que j'arrive à faire le top 1 les gars. J'ai plus de construit. Attends, j'ai pas récupéré le stuff du mec que j'ai buté là. Attends, je vais essayer de me mettre mon shield. Ah bah ouais, mais j'ai plus de construit frère. Ah, je suis mortadelle. Ok, toi, t'es mal. Ok, il y a la zone qui va le push. Je peux pas manger une seule tique de tempête là. Ok, toi, touché. Malheureusement, pas suffisant. Le fait que j'ai pas de construction les gars, c'est très problématique hein. On va pas se mentir. Oh, non, non, non. Ok, touché. Non! Non, non, frérot. Non, non, non. Ok, ok. Allez, monte-toi! Non, non, non. Je peux pas mourir comme ça, frère! J'ai oublié que j'ai de pâte. Ok, allez. Allez, sors. Let's go! Oh, la pression que j'ai eue pour cette première game! Et nous sommes repartis pour cette deuxième game. Est-ce que cette fois-ci, c'est un abonné qui va réussir à faire le top 1? Oui ou non? Restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Pour le savoir, on va essayer ce stuff le plus rapidement possible, comme dans la game précédente. En vrai, on était très très bien dans la game précédente. Il y a une petite arme juste là. Et on a un coffre, deux coffres juste ici. Vas-y, donne-moi un jetpack. Oh! Frère, on a un fusil à pompe. Oh! On a des potions. Attends, mais on est trop bien là. C'est quoi ce stuff de départ? Wesh! Par contre, c'est dommage que j'ai pas eu un jetpack. Le jetpack, en vrai, il faudrait absolument que j'arrive en obtenir un parce qu'il m'a carré de fou dans la partie précédente. Ok, un joueur là. Ok, let's go. Tu retournes au lobby, mon ref. Je pense qu'effectivement, il y a des gens qui sont juste en dessous. Donc, je vais essayer de faire attention. Ouais, il y a un mec là. Wouah, il m'a mis une de ses balles. Il m'a mis un moins 100. Oh là là, son fusil à pompe, il m'a fait mal. Pourtant, moi, j'ai un fusil à pompe légendaire et je lui ai pas mis aussi mal. Mais bon, le principal, les gars, c'est qu'il est mortadelle. Ça, ça fait plaisir. J'espère obtenir beaucoup plus rapidement et facilement des potions parce que effectivement, en début de partie, c'était le problème dans la game précédente. Là, c'est bon, tu vois. Je demande des potions, on en a. Let's go. Il y a un mec juste ici. Hop là, il est mortadelle. Ça, ça fait plaisir. On va se prendre les barrés comme ça. On se rapproche des 200 HP. Bon début de deuxième partie. Franchement, je suis plutôt satisfait, les gars. Il reste encore 64 personnes dans la ville. Donc, on va essayer de tryhard au maximum, les gars. Je peux pas casser ce mur. Ok, super. Oh, il y a un mec avec un jetpack. Il est où? J'ai entendu un mec avec un jetpack. Il faut absolument que j'arrive à le buter. Je sais pas où il est exactement dans l'état actuel des choses. Mais je pense que j'entends ces bruits de pas juste ici. Oh, mais comment il m'a mis mal, lui. Il s'est caché, ce malade mental. Oh, faut absolument que personne ne me rush, là. Tranquille, j'ai un kit de soins. Le kit de soins, il va me carry. Wesh, le mec, il m'a surpris. Il est en dessous d'un cône. Wow, heureusement que j'ai un fusil à pompe golden, les gars. Si j'avais pas eu ce fusil à pompe, je pense que je serais déjà mort à l'heure où je vous parle dans l'état actuel des choses. Mais je sais qu'il y a un mec avec un jetpack. Je sais pas où il est exactement, mais il est quelque part par ici dans la zone. Donc, faut absolument que j'arrive à le buter. Wesh, il est là. Il est où? Là. Let's go. On a buté le mec avec le jetpack. Ça, ça fait plaisir. Frérot, je récupère le jetpack, mais volontiers. Oh. Ok, nice. Oh, il faisait pas de bruit. Lui, il était accroupi. Il m'a fait stresser de fou. Et pour le moment, il y a encore personne qui a tué Fataliste, hein. Ok, toi t'es mort. Oh, je suis désolé mon gars, mais tu m'as fait paniquer. Je l'avais pas vu, mais ils ont tous les mêmes skins. Ils utilisent des skins pour se camoufler en fait. Mais c'est des grands malades, mes abonnés. Oh les gars, regardez, il y a un mec là. Wouah, non. Je lui ai mis une de ses balles. Ok, let's go! Mais frérot, je bute tout le monde ici au château de Fatalis. C'est une dinguerie. Au niveau de construction, on est trop bien. On a un stuff de malade mental. C'est un ennemi, ça? Ah non, ça, c'est un bot. J'ai cru que c'était un ennemi. Bon, les gars, il y a la tempête qui est en train d'arriver sur le château de Fatalis. Je vois qu'il y a un ennemi juste ici dans un véhicule. Donc, vous savez ce qu'on va faire? On va péter ses pneus. Comme ça, il va pas pouvoir aller bien loin. Et on va essayer de le décamper jusqu'à sa mort, les gars. Viens ici, mon ref. Wesh!
Wesh, la balle qui m'a mise. Oh, il m'a... Wesh. Oh, j'ai fait trop le malin avec ce gars. J'aurais pas dû, frérot. Ok, chill, 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 mon ref. On va tranquillement se remettre notre vie à 200 HP. J'aurais pas dû l'agresser aussi violemment. Je pense que je l'ai un peu trop énervé. Mais attends, mais comment ça tu me touches? Non, c'est une dinguerie qui arrive à me toucher. Non, le mec, là, il sait ce qu'il fait. Oh, il y a des potions juste là. Je veux bien les potions, s'il te plaît, mon ref. J'avoue que là, je suis en stress un peu parce que le mec, il a l'air de savoir gérer. Donc franchement, s'il arrive à me tuer, respect. Hein. Mais frère, c'est quoi ça? Ok, nice. Waouh, comment j'ai galéré pour tuer cet énergumène. Bien joué, frérot, tu t'es bien battu. Par contre, tu n'étais pas plus fort que moi. Ça, ça fait plaisir. Par contre, je vais retourner dans le bâtiment juste là parce que j'avais aperçu le mouvement d'un abonné. Ah, mais il vient de rentrer dans un Cybertruck. Wesh. Non, non, reviens là. Frère. Non, j'ai jeté mon fusil à pompe par terre, t'es pas sérieux. Gros, il me fait tourner la bourrique, frère. Allez. Voilà, let's go. Tu retournes au lobby. Oh, il y a un arbre qui vient de se casser juste en face de moi, juste là. On va en profiter pour tenter de buter le mec. Allez. Il a un jetpack lui aussi, du coup ça me perturbe de fou. Eh frère, je sais pas contrôler les jetpacks moi aussi. Ok, il a un HP le ref. Non, je me fais voler mon kill comme ça. T'es pas sérieux de me faire voler mon kill comme ça? Ok, touché. Ok, le mec là, il a l'air d'être très très fort. Ok, la tempête qui est en train de push. Faut que je fasse attention, je vais camper dans l'arbre juste ici en attendant. En plus, le gars là, il a un médaillon, donc ça doit être lui qui a buté le docteur Fatalis. Vas-y, sors de là, frérot, que je t'élimine, là. J'arrive pas à croire qu'il ait réussi à me voler mon kill. J'ai trop le seum. Ok, là, on sait qu'il est blanc. On sait qu'il est en panique. On sait qu'il est dans la tempête. Là, je sais pas ce qu'il va faire d'autre à part paniquer et construire comme il le fait. Parce que là, j'arrive à reconnaître les gens qui paniquent et ceux qui ne paniquent pas. Regarde, il est pire que blanc, frère. Hop là, frérot, je suis désolé, mais j'étais obligé de te rusher. Tu as un médaillon qui m'intéresse. Mais regardez-moi ce stuff. Ah, il a les gants de Dr. Doom. Est-ce que je le récupère? Non, en vrai, je vais pas récupérer les gants de Dr. Doom. Ils sont beaucoup trop cheatés. J'ai pas envie d'humilier encore plus mes abonnés, si tu vois ce que je veux dire. Oh, là-bas. Ok, le mec, il est blanc. Mais comment ça, il se balade? T'as vu, je t'ai dit qu'il y avait un problème dans ces parties où personne n'arrive à avoir de shield. Ah, le jetpack, comment c'est cheaté? Mais what? Aujourd'hui, dans cette vidéo, on ne meurt pas, les gars. C'est une dinguerie. Ok, les gars, regardez. On a un ennemi juste là. Wesh! Ah ouais, et moi, je me rapproche, frère. Il a le truc d'Iron Man. Ok, c'est très dangereux pour moi, ça, frérot. Ok, le mec, il s'est caché juste là. Et tu sais quoi, frérot? J'ai juste à casser mes constructions. Ok, touché. Touché. Non, frérot, tu vas pas t'en aller. Ok, c'est bon, les gars. Je vais réussir à rentrer à l'intérieur. Non. Wesh. Il m'a mis trop mal. Eh, il m'a mis violemment mal avec son fusil à pompe. Mais j'ai pas compris, frérot. Il y a tout le monde qui a des armes méga cheatées. Je vois qu'il y a un autre ennemi là-bas. Vas-y, on va pas chercher le diable, les gars. On va plutôt tenter d'aller buter le mec qui est juste ici. Il faut que je fasse attention, hein, parce qu'on sait que le mec, il sait gérer Fortnite. Il gère Fortnite très très bien, même. Wesh. Ok, nice. On l'a buté. Waouh. Oh, c'était chaud, hein. Franchement, c'était chaud pour le buter. Il avait un fusil à pompe mythique. Il me semblait bien que le mec était un peu trop fort à mon goût. Le point positif, les gars, c'est que nous sommes pas morts et nous sommes toujours en lice pour faire peut-être 2 top 1 d'affilée dans cette game. Je vais jeter un médaillon parce que ce médaillon ne me sert à rien. Et au moins, quelqu'un va tenter de le récupérer et va me révéler sa position. Parce qu'en vérité, quand t'as un médaillon, ta position, elle est révélée. Donc moi, c'est ce que j'ai envie. Comme ça, je rush directement les personnes. Oh, les gars, c'est quoi ça? Regardez, il y a un mec dans les airs. Touché. Malheureusement, j'ai pas réussi à lui mettre énormément de balles, mais c'est mieux que rien. Ok, il a hauteur. T'inquiète même pas, mon ref. Là, c'est moi qui ai la hauteur maintenant. Wesh! Wesh! Ok, il faut faire gaffe, il a un jetpack. Let's go! Merci, ça, ça fait plaisir. En vrai, je pense que ma partie n'aurait pas été la même si j'avais pas eu de jetpack. Hein. Ok, les gars, il y a un mec, il a hauteur juste ici. Il est en train de se barrer. Il a peur de moi, les gars. Ok. On lui a mis mal. Ah frère, faut pas que je le perde.
Donc à toucher, moins 29. Attends, mais ce fusil à pompe est puissant de fou. Me dis pas que le mec est descendu de son bas. Non, arrête de troller, le mec il est tombé. Oh frère, vas-y, moi j'ai pas envie de faire le fou. J'aime pas les endroits confinés, les gars. J'ai assez vécu le confinement à ma manière. Donc j'ai pas envie de me confiner à l'intérieur de ce sous-sol. C'est pas grave si on a un kilo en moins, les gars. Au moins on sait que le personnage juste en dessous, il a très peur de nous. Donc c'est un point plutôt positif, on va pas se mentir. Les gars, on vient tout juste de rentrer dans le top 10 de cette partie. Donc ça franchement c'est un point plutôt pas mal. On a un autre ennemi juste là. Vas-y, viens ici frérot. Le mec il est dans son véhicule, il veut pas en sortir. Ok, il en est sorti. Et il aurait pas dû en sortir. Oh non, le pauvre. Mais je suis en train de laver le lobby, frérot. C'est une dinguerie. Les gars, vous savez que là, si j'arrive à faire 2 top 1 d'affilée contre des abonnés, ça sera la première fois que j'arrive à faire ça contre des abonnés. Jamais j'ai réussi à faire 2 top 1 d'affilée contre des abonnés. Donc franchement, si j'arrive à faire ça, ça serait vraiment incroyable. Oh, il y a un ennemi là. Ok, il décide de s'en aller. Non, mais t'en arrives... Non, ne t'en va pas, frérot. Ne t'en va pas. Bah, il part vraiment loin. Il a vraiment peur de moi. C'est une dinguerie. Bah, je vais pas faire le fou. Je vais pas les rusher parce que, regardez, il y a un autre mec qui est juste là, qui a le guet. Donc, tu sais quoi? Je pense que je vais prendre la hauteur sur le rocher juste ici. Oh, les gars, il y a un médaillon, là. Après, il y a un médaillon. Au calme, il y a un médaillon. Le médaillon du Wallach qui me permet de tout simplement voir le Wallach. Je sais pas ce qu'il foutait par terre. En tout cas, le point positif, les gars, c'est qu'on a 2 médaillons méga cheatés dans notre inventaire comparé aux autres ennemis qui n'en ont pas. Là, je pense qu'on est bien parti pour faire le top 1, les gars. Si j'arrive à faire le top 1, vous êtes tous obligés de vous abonner à ma chaîne YouTube. Tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne YouTube, vous savez quoi? C'est le deal. On sait qu'il y a un ennemi qui est juste en dessous, juste là. On essaye de lui mettre la pression, les gars, parce que nous, quand même, on veut réussir à le buter. Ah ouais, mais il y a les trucs en métal méga cheaté. Donc ça, malheureusement, on va pas pouvoir faire grand chose. Ok les gars, on va directement se déplacer en zone. Il y a un mec juste ici, malheureusement j'ai pas réussi à le toucher. On va garder la hauteur pour avoir la hauteur sur tous les ennemis qui sont présents dans cette game. Ok, j'attends l'appel du Wallach. Les gars, regardez-moi ça, ce magnifique Wallach qui nous permet de directement voir la position sur l'ennemi qui est juste ici. Ok, on l'a touché. Je vais pas faire le fou frérot parce qu'ils sont tous en dessous de moi. Et je vais pas te mentir que j'ai pas du shield à l'infini. Ok, lui je vais le rusher frérot. Oh, ok, crack. Ok, il m'a mis mal, il m'a mis mal. Ok, touché. Oh là, c'est quoi cette fin de zone? Elle est horrible, frérot. Il y a tout le monde qui tryhard pour gagner les V-Bucks totalement gratuitement. Tu vas me dire, mais j'en fiche, je suis tryhard aussi. Mais frérot, j'ai envie de gagner, moi aussi, hein. Et on est parti. On se déplace directement dans la prochaine zone. Oh là là, regardez. Le fait que je puisse voir tout le monde à travers les constructions, je trouve ça juste incroyable. Ok, lui... on va lui voler sa hauteur. Wouah! Oh, je me suis mangé un laser du futur, frère. Wouah! Ok, il y a un mec qui vient de mourir. Il reste 4 ennemis à éliminer. Là, ça va tryhard comme jamais, mon ref. Là, je pense qu'en fait, il faut vraiment que je garde la hauteur sur tout le monde. Hein. C'est mon seul point de victoire. Oh non, il essaie de casser mes construits. Ok, je peux pas, frérot. Il casse mes construits. Ça, c'est assez problématique. On va pas se mentir. Ok, lui, on lui a mis quelques dégâts. Ça fait plaisir. Et malheureusement, ce n'est pas suffisant. Hop là, le Wallach, il est de retour. Le Wallach méga cheaté. Oh, regardez lui. Lui, il a plus de construction, ça se voit. Ah si. Ok, nice. Ok, il faut faire gaffe, il y a un mec à l'hauteur sur moi. Oh, j'ai peut-être été un peu trop gourmand juste ici, frérot. Mais c'est pas grave, au moins le mec il m'a donné un peu de construction en plus. Ça, ça fait plaisir, on va prendre le shield. Est-ce qu'il y avait pas du shield, frérot? Dis-moi que t'avais du shield. Là, frérot, il y a un mec. Il y a un mec, il vient de récupérer mon stuff, frérot. Mon stuff durement dû. Oh là là. Ok, il y a un mec qui a la hauteur sur moi. Est-ce qu'il va réussir à me buter ou pas? J'ai repris la hauteur sur lui. Mais c'est quoi cette fin de game? Ok, j'ai le Wallach. Alors là, mon ref, il a aucune chance. Il a aucune chance de survie. Let's go, 2 top 1 d'affilée contre mes abonnés. N'oublie pas de rejoindre mon Discord qui est en première ligne de description si toi aussi t'as envie de participer pour gagner des V-Bucks gratuits. Malheureusement, ici, personne n'a gagné. C'est moi qui ai gagné. Clique juste là pour voir une autre vidéo juste ici si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube. Et pour un pas les amis, on se dit à la prochaine. Tchuss!